Je pense que les gens doivent comprendre que ce sont des distractions. Des sanctions pour quelle fin? Allons aux élections, c'est ce qui importe aujourd'hui à tout Congolais. Est-ce qu'ils veulent nous forcer à ne pas aller aux élections? On ne sait pas. Mais pour nous, à l'ANADEC, nous pensons que nous devons ouvrir maintenant l'œil le bon et ouvrir grandement l'oreille. Parce que les États-Unis et bien d'autres, ils ne veulent plus qu'il y ait élection en République démocratique du Congo. Vous avez suivi dernièrement le secrétaire général des Nations Unies. Il disait de la non-tenue des élections d'ici la date du 23. Mais dans leur logique de guerre, ils vont échouer. Ils vont échouer, ça c'est certain. Le peuple congolais s'est déjà réveillé pour barrer la route. Si eux ne veulent pas des élections, c'est leur problème. Et nous, nous sommes prêts et nous allons affronter quiconque à ces élections-là. Donc pour nous, ces sanctions ne produisent plus des effets. Vous ne voyez pas que...